紹介しよう。彼らこそ裁判の行く末を決める、選ばれし6人の陪審員だ。おうよ、極悪人に極刑を言い渡す覚悟ならとっくに決めてるぜ。クズは処理させていただきます。ご主人様の言いつけですので。あ、このオイラに出会っちまったのが運の尽きだな。消える。孫に手袋を編んでおりますのよ。大英帝国の法廷では裁判官と6人の陪審員によって評決が決まります。無罪は白、有罪は黒。陪審員の評決が全て有罪となった時、審理はその時点で中断。裁判官による判決が下されるのです。待った、俺たちの腹は今はっきりと決まったんだぜ。有罪。極東の弁護士よ、これが近代裁判だ。陪審書士の迅速かつ正しい決断に敬意を表する。 Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff. Et on se retrouve pour une vidéo particulière qui va parler d'un élément particulier de la série Ace Attorney, c'est-à-dire le système judiciaire. Alors, petite note, avant de commencer cette vidéo, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Je ne vais pas pouvoir mettre la majorité des informations par rapport au système de loi japonais. Donc ça, je vous conseille d'aller voir vous-même ce qu'il en est. Et par rapport au système français, un petit parallèle. Mais de clairement, ça va être une vidéo pour montrer que Ace Attorney, en tant que licence de jeu Capcom, et même en licence de jeu normal, est une critique du système japonais à l'époque, même si maintenant il a un peu changé, et on va vous expliquer pourquoi. Donc, comme vous le savez, dans Ace Attorney, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la série, il y a deux éléments qui sont bien notés au niveau des personnes, enfin, au niveau des... au niveau par exemple du premier jeu. Du premier jeu, on dit deux choses. Premièrement, la peine de mort existe. On te le dit à nombreuses reprises que la peine de mort est importante, notamment... deux exemples concrets, c'est dans Ace Attorney Triangulation, où justement on annonce que Delia Plantule est morte par électrocution. Et puis bah, dans Professor Layton vs Ace Attorney, il y a quand même la mort par le feu. Donc il y a quand même pas mal de choses par rapport à la peine de mort. Ensuite, il faut savoir que dans Ace Attorney le film, et dans Ace Attorney 1, même si on explique un peu moins, il faut savoir que Yanni Yogi, donc le défendant, plutôt le... L'accusé coupable de la dernière affaire de Ace Attorney a dit clairement que justement l'avocat qu'il avait était un avocat qui ne voulait pas en fait le défendre correctement. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça c'est un système, dans le système japonais, il y a 99% de condamnation lorsque tu as un procès. C'est-à-dire que tu as très peu de chances d'avoir un innocent. Alors, ça, d'avoir un innocent, du coup, à la barre. Alors, pourquoi? Parce que le système japonais fonctionne un peu sur le système, non pas des plea bargain comme aux États-Unis, mais fonctionne sur le principe que lorsqu'il a le nécessaire pour pouvoir aller au tribunal, il ira au tribunal. Sinon, il n'y va pas. C'est-à-dire, en fait, il n'y va que très peu. Enfin, il n'y va que très peu. Il n'y va que lorsqu'il a toutes les pièces à conviction qui le demandent. Et après, il va au procès. Sachant que le procès est quasiment gagné d'avance pour le procureur, parce qu'en fait, il a tout prévu pour que ce soit fait. Ce qui fait que les avocats sont assez particuliers et assez mal aimés au Japon, parce que on dit toujours, ah bah ils sont corrompus, ou alors ils sont, ils utilisent les mêmes règles, donc c'est-à-dire un peu de triche pour pouvoir réussir à défendre ses clients. Même si c'est pas souvent le cas, mais c'est autre chose. Alors, il faut savoir aussi que depuis 2009, et donc avant 2009 ça existait, il n'y avait qu'un seul juge pour avoir la sentence, notamment dans les cas où il y avait la peine de mort. Depuis 2009, il y a en première instance pour les crimes passibles de la peine de mort et de l'emprisonnement à perpétuité, c'est-à-dire l'assassinat, le vol avec violence ayant entraîné la mort, les viols, etc., etc. Un jury mixte composé de 3 magistrats professionnels et de 6 citoyens ordinaires, des juges laïcs. On appelle ça Saiben In.
qui détermine la culpabilité et la peine des accusés. En fait, c'est à peu près le même principe que les jurys en France. Sauf que, bon, il faut savoir que les jurys en France sont que des personnes, du coup, de la société civile et pas de magistrats professionnels. Donc, c'est aussi intéressant. Et donc, du coup, il faut savoir que les durées des procès sont faites pour être réduites. Et on va dire c'est assez particulier parce que les Japonais n'aiment pas ça, alors que normalement ça devrait être une bonne possibilité parce que ça permet un débat contradictoire et c'est une bonne nouvelle. Mais ça c'est particulier. Une autre chose, c'est que lorsque tu es mis en garde à vue pour plein de crimes, etc., on peut être mis en garde à vue pendant 3 jours sans voix d'avocat et sans voix personne. Ce qui est à peu près la même chose qu'en France, même si maintenant il y a la possibilité d'avoir un avocat pour. Du coup, l'avocat peut venir dès la première heure de garde à vue. Donc, au bout des 3 jours d'interrogatoire, et, elle peut prolonger ses gardes à vue jusqu'à 20 jours. Donc, c'est-à-dire 23 jours. 23 jours de garde à vue. Nous, le maximum en France, c'est 96 heures pour des crimes de terrorisme et des crimes liés au grand banditisme. Grand banditisme plutôt. Et voilà, 23 jours, vous imaginez même pas, c'est pas logique. Surtout qu'on est interrogé à toute heure de la jour de la nuit, que même si on a droit, on va dire, une visite de l'avocat, on n'a pas de coup de téléphone, on n'a pas de courrier, et surtout, on se lave tous les 5 jours. Donc vous imaginez un petit peu le problème de ce qui se passe. Et ensuite, il faut savoir que la présomption d'innocence est assez particulière. Parce que, pour eux, la police a toujours raison. La police a toujours raison. Ça montre un petit peu comment fonctionnent les gens, parce que c'est vrai que, quand on voit dans Eastern, les policiers, bon, sont un peu plus gentils, bien sûr, mais on voit quand même qu'ils ont quand même l'idée comme quoi le coupable est toujours... Enfin, l'accusé est toujours coupable, pour eux. Sauf si on montre le contraire, ce qu'on fait dans Phoenix Wright, d'ailleurs. Mais, voilà, c'est la différence. Et puis, surtout... C'est assez inquiétant parce que quand tu te rends pas compte qu'il y a 3 mètres carrés dans une cellule, c'est très peu. Alors comme je vous dis, le taux de condamnation est de 99%. Et bien sûr, malheureusement, le gros problème de ce système judiciaire, parce que bon, on se rend compte quand même qu'il est un peu étrange, celui du Japon, c'est que justement, il y a des accusés qui ont été considérés comme coupables alors qu'ils étaient innocents. C'est d'ailleurs le cas de Govinda Prasaminali, un Népalais qui a été arrêté en 1997 pour le meurtre d'un employé de bureau. Parce que c'est assez particulier quoi. Mais du coup, on se rend compte que en 2011, on s'est rendu compte qu'en fait on s'était trompé. Donc c'est un peu dommage. Et bien sûr, bah, ce qui s'est rendu compte aussi, c'est que... La police a nié que l'enquête a été bâclée parce que bon, on bâcle un peu aussi les enquêtes, même si elles sont longues, pour aussi des enquêtes un peu à la charge et non pas à la décharge des gens. Donc c'est assez étrange. Mais le pire, c'est que vous vous rendez pas compte qu'au Japon, un délit comme nous on pourrait l'appeler, donc par exemple un accident de la route, même un excès de vitesse, ce n'est pas considéré comme un délit comme en France. C'est considéré comme un crime. Et donc un crime, ça rentre dans le casier judiciaire. Donc c'est en gros, c'est comme si tu avais en France un excès de vitesse de 10 km/h et que tu te prends, en plus d'une amende, tu te prends une vision dans le casier judiciaire. Donc vous imaginez un peu le truc. C'est tellement délirant, mais ça peut arriver. Pour revenir un petit peu à Eastern, il faut savoir qu'il en parle quand même de ce monde... un peu particulier où justement les procureurs sont par exemple Vankama qui a 40 ans de victoire à son actif jusqu'à ce que Phoenix Wright vienne l'arrêter. Bah, on se rend compte en fait c'est un peu ce qui se passe dans ce monde japonais, c'est à dire que dans le système japonais justement le procureur est un peu la star du monde, la star de la chose, et on se rend pas compte que il y a quand même pas mal de choses qui sont montrées même dans le film. Par exemple, on s'intéresse beaucoup plus au procureur de l'affaire qu'au défendant, enfin qu'à l'avocat. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans l'esprit. C'est-à-dire que
Normalement, quand t'es content d'un procès, on parle pas de procureur. Ah, le procureur qui a eu 40 victoires. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Heureusement, en France, ça n'existe pas comme ça. Mais c'est assez étrange. Et puis en plus, pour revenir sur la peine de mort, ils te disent clairement que la peine de mort est mauvaise. Ils te le disent pas clairement. Bah, ils te le disent pas clairement, clairement. Mais ils te parlent du fait que si, par exemple, dans Justice for All, bon, je spoil un peu pour ceux qui regardent le Let's Play. À la fin, on peut choisir de faire condamner André Landry. Sauf qu'André Landry, on dit clairement qu'elle peut mourir, alors qu'elle est innocente. Ce qui prouve que la peine de mort est quand même un truc assez étrange dans Eternity. C'est quand même un élément assez violent. Et on se rend pas compte que c'est assez, comment dire, dit de but en blanc. Alors que normalement, tu vois, la peine de mort, c'est quand même pas un truc à prendre à la légère. Surtout qu'en France, fini. C'est fini depuis 1981. Au Japon, ça existe encore pour 13 crimes. 13 crimes, dont notamment les viols, les meurtres, etc., etc. Sauf qu'on se rend pas compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez particulières dans l'esprit, quoi. C'est vraiment violent, ce système judiciaire. C'est que on se rend pas compte que certains éléments sont pas géniaux. Surtout quand on se rend compte que le président de la Cour suprême, donc la cour en fait qui s'occupe des, on va dire, une sorte de cour de cassation géniaux, c'est l'empereur, donc le système politique qui le vote. Nous c'est un peu différent, c'est-à-dire que nous c'est souvent un petit peu le système politique qui aide aussi, mais je veux dire, c'est beaucoup plus basé sur du vrai talent par rapport aux gens. Et c'est très très particulier, et c'est pour ça que je suis assez surpris de me rendre compte, en fait, en jouant au jeu, que, en fait, la référence, c'est vraiment que le jeu critique un petit peu le système japonais. Par exemple, dans Apologetis Ace Attorney, on te parle à la fin d'un jury. Alors que le jury, il était quasiment en route en 2008. Mais quand même, ça montre que justement, il y a peut-être des solutions à régler ce problème. Et on dit clairement que dans Ace Attorney Apollo Justice, enfin dans Apollo Justice Ace Attorney, que le système judiciaire est inhumain. Et on se rend compte qu'en fait, il est très proche du système japonais dans l'esprit. Donc en fait, c'est vraiment une très bonne idée de proposer un jeu qu'on se rend compte après qu'il est très critique envers son propre pays et envers comment il fonctionne, notamment au système japonais. Donc après, je vais pas être très long dans cette vidéo parce que je pense qu'on va être à peu près à la fin de cette vidéo, mais voilà, pour moi le système japonais est très très particulier et Ace Attorney le critique de certaines façons en montrant certains éléments. Et pour moi, c'est important de montrer que même si certains n'ont pas l'habitude de voir, on a quand même pas mal d'éléments qui sont importants dans l'histoire. Et important par rapport à tout ce qui est en rapport avec le système japonais. En fait, le système japonais est montré dans Ace Attorney, critiqué dans Ace Attorney, mais ceux qui ne sont pas japonais ne s'en rendent pas compte. Et je m'en suis rendu compte en fait en regardant un petit peu quelques vidéos, quelques éléments par rapport au système japonais pour voir en fait si c'était bien relié, parce que bon, on parle quand même de justice. Donc vu que le jeu est au Japon, on se dit peut-être que ça référence le système japonais. On se rend compte quand même qu'il y a pas mal d'éléments qui se lient. Voilà. Bon, je pense que cette vidéo va se terminer là. C'est une vidéo un peu longue, mais qui vaut le coup. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, sur ce, on se retrouve pour la fin de la Ace Attorney Week, avec le final demain, et aussi avec des vidéos à venir prochainement sur la chaîne, je ne dis pas lesquelles, mais on va retourner du côté des visual novels. Je veux dire lequel, bientôt, mais pas tout de suite. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt. C'était GF, stay tuned.